NBC News fait un sondage entre président qui actuel aux États-Unis, qui c'est président Joe Biden, avec ex-président Donald Trump. Pour essayer, ouais, est-ce qu'il y a une possibilité pour Joe Biden gagner l'élection 2024 là? Parce qu'on connaît depuis l'heure, en fait, il y a parlé d'élection ça. Joe Biden pour qu'on jamais gagne un sondage entre lui-même avec Trump. Mon pote, résultat sondage là pour vous. Et m'bral dit qui pays, qui qualité moun, nan pays États-Unis qui plus voté, donc pour Joe Biden vin président. Et c'est pour la première fois depuis abgi sondage, eh bien, dans le domaine élection ça, so Joe Biden réussit pourtant la mayole, so bonne nouvelle commence à tomber, et immigrants contents, moun qui inspiré entrer. États-Unis content. M'bral parlo également de dernière nouvelle de programme Biden, mesdames et messieurs, ou kabouel, jodi an, nous vini en retard, parce que en pile travail depuis hier, nous t'oblige à faire en pile travail, donc moi dis, même si le tard jodi an, n'ap monte quand même. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Nous espérons nous en forme. Si nous regardons la vidéo, ça nous l'a toujours. Et nous dit papa bon Dieu, qui est dans celle-là, yon gros merci. Parce que lui fait un cadeau, yon joue en plus. Non, pas c'est MPH, c'est toujours un plaisir pour me passer, pour me fournir nous information. Ou déjà, comme ça, avant de parler, c'est toujours dire merci ou même qui supporte le travail ça, ou même qui toujours qui ton like en bas vidéo, yo, ou même qui toujours partage dans tous les réseaux sociaux, ou même qui a toujours motivé nous pour travailler ça, continuer à aller vers l'avant. Donc, merci, merci, merci encore. Ou même qui sur Facebook, kotoye, thank you so much, guys. Donc, nous parlons droit dans la vidéo aujourd'hui, parce que nous n'avons pas trop de temps. Et on met prêt à se regarder la vidéo ça jusqu'à la fin, parce que moi, quoi est certain, information ça va utile. Et maintenant, nous te font tirer à l'aise sur des informations, nous pas de temps parler plus. Ou quand nous parlons de l'immigration, c'est de ça nous parler. Bon, ici, nous pas trop rentrer dans la politique, là, nous avons un parti qui intéressé dans le dossier immigration. Donc, nous avons commencé par information qui tombe matin, qui n'est pas nouvelle pour personne, pour qui ça? Parce que moi-même, MPH, moi toujours, je ne connais pas, je ne connais pas, don, mon Dieu, ben moi, alors je fais toujours un genre pour me penser, réfléchir, et ouais, qui est capable de tomber comme résultat. Nos séries de dossiers. Moi, t'as suivi le dossier Biden de près. Et je dis à ces 27. Et pourquoi des nouvelles? Pourquoi des nouvelles? Qui ça, républicain, yon fait? Est-ce que nous avons joué quelques bouts de feuille papier pour yon bay juge là? Nous pas connaît. Mais Joe Biden lui-même, lui dit en fait match pas là. Et match Joe Biden, non, franchement, son match vers la victoire. Au point où les spécialistes de la matière n'étaient capables de déclarer sous abga des commentaires en bas, l'a dit que les États, l'autre État, ils n'ont pas gagné procès. C'est Joe Biden qui a gagné procès cela. Maintenant, nous t'ai parlé de ça, que jusqu'à maintenant, pour qu'on gagne, document jusqu'à hier, nous pas connaître aujourd'hui. Hein. Si gagne aujourd'hui, hein, donc on a informé et puis pour nous capables de faire qu'on est. Est-ce que leur vieux parti qui campe contre le programme Biden, non? Est-ce que vieux parti a joué un document pour voter aller? Mais on va dire qui doit intéresser, il y a une division totale. Et bon, faut-il résumer pour même qu'à trois ce matin. Hein? Donc, c'est Joe Biden qui fait, qui présente document ça, by juge là, disons, juge Tipton. Et dans le document ça, Biden fait juge là qu'on est, et taille yo, mener parole là dans la justice, c'est pas parce qu'il y a une preuve, mais c'est juste spéculation. Il y a besoin de faire chantage. Et dans le deuxième bagage de Joe Biden, fait qu'on est, gouvernement que l'autre MNV dit qui n'a pas de droit pour être capable de bailler parole humanitaire là, Joe Biden fait juge là qu'on est, l'illégal. Et selon la justice, il y a un droit ça pour que lui-même soit capable de bailler programme parole humanitaire. Avec déclaration ça yo, expert au fin connaît Joe Biden détruit argument l'autre 20 états yo par rapport au document que
li bay la. Li nou même oui nous gen document pour nous prouver que programme n'a pas marché, mais l'autre vie ta qui dit programme n'a pas marché a côté document pa yo. À qui ça ou ka paraît pour dire programme n'a pas marché. Donc là, jusqu'à maintenant nous sous bonne pente. DHS li démenti encore yon mensonge monsieur Ofe côté que monsieur dit programme nan son bon moun Biden n'a pas prouvé ensemble Biden dit c'est pas vrai parce que son bon moun n'a pas prouvé ensemble c'est cas par cas c'est comme ça dossier yé mesdames et messieurs so, ça veut dire que jusqu'à maintenant n'a bien frappé n'a bien marché n'a pas première étape qui gagne jodi an qui favorisé avenir programme Biden. Yon nan bagay ki favorise avenir programme Biden nan, c'est la grande division ki genye nan camp républicain yo. MPH, sou ki baz ou kanpe pou di ke genyon division nan camp républicain yo. Yes. Gon division et c'est pas n'importe division ki genye nan camp républicain yo. Nan camp républicain yo, mesdames et messieurs, map konte devant zye m la, gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et gen environ 13 moun ki pose candidat pou vin président nan pays États-Unis. Gen 13 républicains. Et c'est quasiment première fois ba sa fèt. Pour gagner 13 républicains qui inspirent vin président des États-Unis. 13 républicains, ça ba nou preuve tangible que nèg yo gon division totale kap sakaje yo. Division totale. M'a montré ou là, gagne 13 républicains bon une seconde pour me capable faire et ou jeune diapositive ça. 13 républicains sont preuve tangible que parti républicain yon li manke force. Son preuve tangible que parti républicain n'a gè divisé. On gade ça ensemble, mesdames et messieurs. On gade ça ensemble. Là ou genye, gade, nous genye en léa, les démocrates, nous genye Biden, Williamson, et nous genye Kennedy. Ça, c'est moun qui se, donc, démocrate, qui candidat, pour vin président nan pays États-Unis nan élection 2024 k'ap fèt la. Pour démocrate comme yo nou gen, nou gen 1 2 3 démocrate. Kontè républicain, m pral bon républicain pi red ki vle vin président nan pays États-Unis. OK? M pral bon républicain pi red ki vle vin président. Ça veut dire son parti qui divisé. Donc le parti a li divisé, division an, son bagay personne pa ta même besoin on moun dil ça dès que parti a vinn divisé le vinn faible ça vinn bay possibilité donc à l'autre parti adverse là yo même pour yo capable faire succès de quantité moun sa yo nou gen là bamba ou dernier grain OK mon dernier grain ça tout lui-même li se yon républicain et lui-même li inspiré vin président nan pays États-Unis. Donc nou gen Trump qui en premier Ali, nou gen Ramaswamy, nou gen Hutchinson, nou gen Elden, nou gen Scott, nou gen Tulsa Florida DeSantis, nou gen Pence, nou gen Christie, nou gen Bergam, nou gen Suarez, nou gen Hood. Donc ça veut dire nou gen environ là 2 4 6 8 10 12. OK? And then nou gen là encore amen à point Scott qui fait 13 républicains qui veulent venir président pays États-Unis. 13 républicains. Ça veut dire dans premier tour qui pourrait passer là, pas une possibilité pour Biden pas battre dans premier tour. OK, pas une possibilité. Donc nous on mounzao donc pas des moun qui va empêcher Biden nan rien. Donc au cap dit nan parti démocrate là, seul candidat potentiel yo gagné, c'est Joe Biden. Donc après ça nous gen tout pléiade mounzao, tout ce moun qui veut venir président pays les États-Unis, mesdames et messieurs. So ça ba un paquet avantage d'après expert yo qui montrait que
expert dans le domaine élection, montrer que Parti républicain en faiblesse catégoriquement. So, bonne nouvelle, c'est que dans tout sondage qui fait, yo, Joe Biden pas jamais arrivé, donc Joe Biden pas jamais arrivé porter une victoire sur Donald Trump aucun côté. Après tentative qui sont faites là, donc après accusation qui sont tombées sur Donald Trump, yo, eh bien, après accusation spécialement Florida contre question document classifié, donc document classifié recalling Trump, ça vient faire que pays a commencé à perdre confiance dans Donald Trump. On va lire avec vous, so on va voir ensemble un dernier sondage qui fait entre Donald Trump et président Joe Biden. On va le partager ensemble avec vous article ça. Je dis donc depuis dimanche qui sorti normalement et qui sorti depuis dimanche article ça a sorti et ça fait un pile monde qui t'a remis Joe Biden vin président des États-Unis. Donc il y aura un bon souffle parce que c'est quasiment t'es perdu espoir. Les tout moun wè que Biden pas jamais gagné yon sondage donc lui-même ak Donald Trump. Nous pralé et bon quelques secondes seulement pour me capable en fait partager article là ensemble avec vous mesdames et messieurs. Donc là on regarde avec moi Biden li prend devant Donald Trump pour élection qui pral vini la yo. Biden mène Trump dans les sondages pour les prochaines élections américaines. Quelle bonne nouvelle. Biden, c'est pour la première fois, Biden a mené sous Trump dans un sondage qui fait. Normalement, ce n'est pas sondage qui baille pouvoir. Ce n'est pas sondage qui fait moun vin président. Mais sondage yo, yo quand même affecté intention moun kap vote yo. Non seulement yo affecté intention moun kap vote yo, yo baille encouragement tout à moun ki candidat. Pour 10 moun ki candidat, donc mais qui intention peuple la gagne de ou. Nous prenons regarder article ça ensemble parce que li intéressant, li très très intéressant. On regarde pour moi est-ce que vous gagnez information yo même Jean moi-même moi gagne yo une seconde. Li très intéressant pour regarder article ça mesdames et messieurs. On regarde si m'ka mettre de côté et puis m'ka bon regarder au même article. Une seconde. OK. On allez. Le dit ici, le président des États-Unis, Joe Biden, mène Donald Trump, le candidat favori des Républicains, pour une situation hypothétique dans laquelle les deux politiciens s'affrontent à nouveau lors des élections présidentielles de 2024. Selon un sondage de NBC News publié ce dimanche, Biden devance Trump de 4 points, avec respectivement 49 à 45% de soutien. Joe Biden a mené sous Donald Trump 49 à 45 points. Parmi électeurs qui inscrits. La plus grande avance pour Biden est parmi les électeurs noirs. La plus grande avance pour Joe Biden, côté que m'bat bravo pour Haïtien yo tout, parce que l'un des électeurs noirs, nous sommes Africains, nous sommes Haïtiens yo. Donc, Africains, Haïtiens, c'est nous noirs. Avec un Américain noir yo, amen Black Américain yo, Afro-Américain yo. Eh bien, donc il y a plus monde qui vote pour Joe Biden continue vin président, c'est Mounzaio. Tandis que la plupart des électeurs ruraux soutiennent Trump. Quelques électeurs en dehors, dans rural, donc yo même yo soutiennent Trump. Le sondage qui a été mené une semaine après qu'un grand jury fédéral a inculpé Trump d'accusations criminelles concernant les documents classifiés. Donc, de Mar-a-Lago, en Floride, a révélé que l'ancien président américain élargit son avance sur ses concurrents en passant de 46 à 51%.
Pour la première fois dans l'histoire, un ancien président a été destitué. Et nous ne trouvons pas dans ce sondage d'indicateurs d'un éventuel impact sur sa position, a déclaré le sondeur républicain Bill McIntosh de Public Opinion Strategies, qui a mené ce sondage avec le démocrate Jeff Howitt de Hart Research Associates. Non seulement il reste avec Trump après la décision fédérale, a noté Howitt à propos de ses électeurs républicains, il y a plusieurs signes que leur soutien augmente et que d'autres perdent du terrain, en particulier Ron DeSantis. Ok, donc là, ces républicains qui ont fait le courage, qui ont fait force, qui t'a fait sentir que malgré tout ça qui veut Trump, alors, malgré tout ça qui veut Trump, il a toujours à supporter Trump. Mais nous, Kaboué, là, clairement, après inculpation, ça, donc Trump commençait perdu force. Donc, non, élection qui pourrait le faire là, qui baille possibilité, qui baille un gros match avec président Joe Biden, mesdames et messieurs. Bien que pas un doute dans ça, pas un doute dans ça que pour élection, Joe Biden a gagné, pas un doute dans ça. Et bien, moi, je dis seulement, c'est tout le monde qui a réfléchi bien, tout le monde qui a pensé bien. Il dit que pas un doute dans ça, pas une possibilité là pour que Trump vienne président pays des États-Unis. Donc, Trump vienne président pays États-Unis, son bagarre qu'on est cap affecté directement parce que Trump déjà promet automatiquement lui-même le vienne président dans pays États-Unis, la vienne au bout dur. Question immigrant illégal la fini avec ça. Question immigrant illégal la fini avec ça. Et question programme ça yo Biden a rentré moun nan même jour Trump gagne élection même jour programme ça au campé. Automatiquement même jour au campé. Parce que m'le faut qu'on bagay automatiquement que Biden gagne procès ça qu'a fait le 24 août là. Depuis le fin gagne procès qu'a fait le 24 août là, c'est Gaz Koli, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour augmenter chiffre quantité moun k'ap rentre yo parce que la vinn plus pouvoir nan programme non gen possibilité pour l'ouvrir pour plus pays parce que en process ça a vinn bay Biden encore beaucoup plus pouvoir et puisque pral gen élection fait qu'un noyau plus content pour voter pour Biden ça c'est idée quoi me souvle. Donc, fait qu'un noir plus content, puisque dans le sondage, ça lui montre que c'est plus noir qui vote pour Joe Biden. Et dans le noir, ça, yo, donc c'est plus afro-américain qui gagne famille, c'est plus haïtien. Yo. Donc, fait qu'un monde ça beaucoup plus content pour que plus monde qui a voté pour lui, trust me. Là, et de fun programme ça pour favoriser l'élection. Parce que je veux faire connaître que pour ceux qui gagnent, pour programme non, ils sont pour ça qui purement politique. Le purement politique. Comment politique là est? Joe Biden là pour le Kimbe et dossier immigrant pour plus immigrants voter pour lui. Et Trump lui-même livre le craser dossier pour plus républicains qui compte immigration capable voter pour lui. Mais dans certains États comme la Floride, c'est un État qui purement un État républicain qui charge avec moun. Mais loi de DeSantis là qui déjà contre républicain déjà montre que ou comme que ça m'a dit là, soutenant élection année dernière ou te cap suivre ça, côté que Trump la Floride te bay Trump un gros hommage. Dans élection se passé là, même dans élection se passé là côté Biden président. C'est Trump qui te gagne Floride. Mais jodi a, dans l'élection de pral fête là, gagne pile difficulté pour moun ki Floride qui c'est immigrant al voter un républicain. Al voter un républicain. Ça veut dire là, gagne pile possibilité pour programme ça li continuer aller net. Parlant de programme Biden, non? M'a rappelé que jugement pour moun ka pose question ça, jugement c'est pour le 24 août. Selon Jean-Bagal a tombé, Abgo juge l'a dit on bagage juste dans 29 septembre. Ça veut dire jusqu'à 29 septembre, tout le monde cap continuer à appliquer. Moun cap mande est-ce qu'on cap continuer à appliquer? Oui, continuer à appliquer. Jusqu'à 29 septembre, y a continuer prendre moun dans programme là. Et y a continuer à prouver moun. Et à prouver beaucoup plus moun même.
DHS, USCIS s'est monté pour faire rentrer 30 000 personnes chaque mois. Jusqu'à ce que Cap font changement. Bien au changement. Donc, la mettez ensemble pour nous, comment on a poussé le gouvernement, mandé le gouvernement pour capable augmenter ce chiffre-là, pour capable plus de monde qui capable rentrer dans le programme, non, mesdames et messieurs. Donc, ou même qui fait partie du programme Biden, non, m'encourage, prends courage, posez, pas fait tête chaud, ok, pas fait tête chaud. Pas fucking tête chaud, donc vle pas vle, nous avons seul objectif, bon ici, hein? Nous pas gen deux objectifs, c'est vle pas vle, fuck ou approuver. Que vous vle, que vous pas vle, que vous d'accord, que vous pas d'accord, fuck ou approuver, mesdames et messieurs. Donc, quitte dossier Biden, non? Quitte dossier Biden, non? On faut y parler de concours, là. Deux concours là. Nous gagnons concours MPH pour monde qui intéressé participer dans concours là, nous gagnons plusieurs monde qui déjà inscrit déjà. Donc concours là n'a commencé lundi cap 3 juillet, cap 3 juillet. OK? Lundi cap 3 juillet n'a commencé. Et nous gagnons 10 monde nous déjà sélectionné qui fait partie des premières équipes là, monde ça c'est pour mois de juillet. C'est pour le mois de juillet. N'a pas dit exactement un mois pour nous sélectionner moun. Donc qui gagne yo, c'est par vote moun yo a gagné. Donc chaque jour n'a gagne moun qui a éliminé moun qui gagne plus vote là, donc c'est lui même qui a prêté et puis c'est avec eux n'a fait finale là. N'a prend trois derniers moun. N'a prend trois derniers moun, yon premier, yon deuxième, yon troisième et nous gagne des prix. Prix qui semblait à MPH bien sûr. Prix qui clairait même Jacques MPH, n'a pas pour moun qui champion. On va faire un petit coup de vidéo 2 minutes, n'a passé à 5 minutes, n'a passé à 8 minutes. Donc pour nous faire finale, n'a passé à 8 minutes. Pour faire une vidéo exactement, Jean MPH t'a fait, voyez-le, pour nous passer, pour moun yoel, yo gardez. Si yo voté ou gagné. Si yo pas voté ou perdu, jusqu'à ce que nous étions avec 3 moun yo. Mesdames et messieurs, nous avons un premier, un deuxième, un troisième tout, et puis pour nous attaquer trois mounes, mais trois mounes à eux-mêmes, c'est une nan yo cap champion. Dégageons, et à partir de là, commence le travail, même j'avais, bah information, même j'avais, de pouvoir capable copier bien ou qu'à faire le tout. Jean Patner me dit, si vous faites le boss ben, si vous faites nous qu'à faire le tout, donc dégageons pour venir participer dans le concours. Objectif concours, ça, c'est pour gratifier. Des monde qui supportent nous, monde qui remet nous, en fait qui remet cap supporter travail là, yo même yo capable sortir avec yon bagay, yo cap toujours garder et yo dit ça c'est MPH qui te fait yo gagner ce objectif là. N'importe kotoyé n'a voué prime nan ba ou, donc nous avons déjà gagné liste moun yo déjà. Donc le mois juillet a fini, n'a bien l'autre monde pour l'autre mois ou même n'a capable sélectionner également qu'on soit capable participer dans gros concours si là. Donc m'a quitté nous là pour aujourd'hui parce que m'étais juste voulu passer pour m'kebe nous actualiser kembe ou update kembe ou motiver et garder ça chaque jour dans cervelle ou voulez pas voulez faut que moi approuver yo d'accord faut que moi approuver yo pas d'accord faut que moi approuver yo content m'a pas approuver yo fâché m'a approuver et puis m'pa gen l'autre bagaille n'a déclaré lion de Juda. Lion de Juda attaqué. Que lion attaqué, tout ça empêché, tout ça t'a voulu bloquer, ou même pour t'arriver en fait, poter la mayole dans le programme ça, moins mandé lion de Juda attaqué, et puis guys, qui est une motivation de même gens. Pas occupé personne, absolument personne, qui t'a voulu faire décourager, parce que grand pile monde, pour diable c'est qu'on s'allie en pile monde qui négatif qui t'a remé yo joine camarade pas suivi yo donc ou même rester positif de manière que programme ça vle pas vle faut qu'on approuver la donne. Lion de Juda